je te cut. Eh bien, salut tout le monde, c'est Isaac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V, le second épisode de cette série, enfin, soi-disant de série, parce que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire réellement. Je verrai par la suite ce que vont donner les vidéos. Alors, la vache, ça c'est de la caisse, à quelle tu veux, mec? Bah, la rouge. Elle est plus classe, je trouve. Allez, c'est parti. On y va, on roule, on roule. Ah ok, il parle normal et tout. Ils ouvrent le toit. Normal quoi. Alors qu'on est en train de voler les voitures. C'est pas comme si on était pressé. Ok, bah allez. On va le suivre. En plus, je sais pas où il faut aller là. Le camion là, tu me fais chier. Voilà. En plus, faut éviter de démonter la bagnole. Apparemment, alors ouais, il y a un mode ralenti. Ok, c'est plutôt sympa. Par contre, quand je freine, ça freine sec. Hein. Ok. Alors là, voilà, là, dans ce genre de calme de ralenti est plutôt pas mal parce qu'on prend de la vitesse, ça devient un petit peu chaud. Voilà. Là, je sentais pas. Par contre, ouais, c'est parce que je relâche à chaque fois. Ouh, j'ai failli toucher. Mais il est con lui, pourquoi il me fonce dedans? Ouh, le camion là, plutôt chaud. Ah, normal qu'il me fout la pâtée. Je sais même pas où est la route. Oula, 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 oula. On va se calmer. Putain, en plus il m'envoie. Putain, mais il m'envoie tout le monde. Enculé. Ouh, le poteau là, je le voyais bien. Oula, je risque de lui foncer dedans. Je vais éviter d'aller trop vite. Ah le bâtard, il tourne à gauche. Il est où? Ok, il est parti là-bas. Ah ouais, ok, c'est serré sur la droite, donc on va passer plutôt par la gauche. On va le suivre en sens inverse. Oh putain. Ah, il a démonté l'autre voiture. Putain. Bon, ok, le panneau, il n'y en a plus. Oh non, la voiture! Il est parti où? Ah, ok. Ok, il est là-bas, je le vois encore sur le radar, ça c'est bien. Wow! Oh, j'ai pilé! Ouh. Bon, je m'en sors pas trop mal, je trouve. Ah bah la voiture est encore plutôt bien pour le moment. N'empêche, j'ai démonté un mec tout à l'heure. Hein. Ah si, elle est un petit peu cabossée, on dirait. Bah ça, je crois que c'est le mec que j'ai touché. Bon, par contre, t'as les flics. Mais elle est où, la concession? Ok, on va éviter de la cabosser encore. Putain, il y a des voitures. Vas-y, je me barre. On va se cacher là.
Oh putain, il y a des voitures. Est-ce qu'ils vont me voir? Si la police ne nous voit pas, l'indice recherche clignote et le champ de vision des policiers sera affiché sur le radar. Putain, il y en a une qui arrive. Est-ce qu'elle va passer? Ok, bon bah ça va. Je suis resté plutôt planqué parce qu'on va éviter, surtout qu'il y en avait 3. Bon là au moins, je peux aller chercher la concession. Désolé, je parlais pas beaucoup. Oula, c'est quoi ce bug? Ah, il a pilé ou quoi? Allez mec. Bon allez, c'est parti là. On roule, on roule, on roule. Mais j'ai pas envie de trop la démonter la voiture. C'est par où? Est-ce que c'est ici? Non, c'est pas là. J'ai du mal, il y a 30 000 routes. Ok, je suis quasiment arrivé. Alors, c'est par ici. Ok, c'est là. Allez toi, passe. Nickel. Bon, c'est une cinématique. Au moins je suis arrivé sans faire trop de dégâts, on peut dire. Surtout que je suis pas doué dans les conduites. Ah, il y a une embrouille ou quoi? Bon, il y a mon pote qui est là. Et il me dit de faire chute, alors j'ai pu parler. Ça a niqué l'autre. N-word, that's not cool, man. I don't say that. You're fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car. Ils essaient de lui vendre la bagnole. Enfin, il essaye, l'autre. Et apparemment, il a du mal. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he really mean he's gonna get all this for Ça nickel, pote. I gotta go. Hey, Samuel, I'm out. Ok, on se tire. Allez. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure? Ah, il nous suit, Lamar. Ok. Take the wheel and show me. Ah, le point bleu, il est là-bas. Montez dans votre voiture. Chaque personnage jouable dispose d'un véhicule unique. D'accord. Donc celle-là, c'est la mienne. Ça va, elle est plutôt classe. Alors, je dois aller où? Bon, la caméra, là... Voilà. Ok, tout droit. Allez, roule. Ok, là je préfère mettre ça parce que là, passer entre le bus et la bagnole, c'était un petit peu tendu. Ok, sur la gauche. C'est où là? C'est ici? Ouais, c'est ici. Conservez vos véhicules en les mettant dans le garage. Bah nickel. On va essayer de pas rentrer trop. Ouais, c'est bon, je vais pas la péter. C'est bon là, non? Ok. Bon bah la course était plutôt pas mal tout à l'heure. Ah, comment ça taille dans la coupe de cheveux? Albatar. Pardon, excusez-moi. Là, tu pètes un plomb. Des coiffeurs sont maintenant disponibles. Allez-y pour une nouvelle coupe de cheveux, d'accord? D'accord, donc ça, c'est ma maison.
Asseyez-vous sur le canapé pour regarder la télé et essayez d'autres activités. J'ai le téléphone, d'accord. Pour restaurer la santé de Franklin, récupérer les packs de santé ou acheter de la nourriture. D'accord. Bah écoutez. Dormez sur le lit pour sauvegarder la partie et avancer dans le temps. En dehors des missions, vous pouvez sauvegarder à tout moment avec l'option sauvegarde rapide du téléphone. D'accord. Pour changer les vêtements, approchez-vous de l'armoire. Ouais, parce que là, je pense qu'on va pouvoir changer ça. Bah voilà, c'est plutôt pas mal. Est-ce du volant? Bon, par contre, je suis que argent. Bah écoutez, la chose que je vais vous dire, c'est que je vais changer les vêtements tranquillement. Là, je vais en finir pour cet épisode, même s'il est plutôt court, mais je préfère que ça soit un épisode court et que vous en ayez un petit peu plus de vidéos à chaque fois que vous faire des épisodes longs et de vous faire une semaine d'écart ou autre, parce qu'après, ça prend du temps à mettre en place. Donc je vais vous mettre celle-ci quasiment dans la foulée du premier épisode. Je vais essayer de vous faire aussi le troisième épisode. Et là je vais tenter de m'habiller tranquillement en mode hors ligne sans de vidéo. Voilà, je vous dis donc à très bientôt, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne pour voir plus de vidéos sur GTA ou voir d'autres jeux. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mon compte Twitter, je dis beaucoup de choses, il est dans la description de cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus !